on se retrouve pour le 3 décembre. C'est l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui et on va monter aujourd'hui les sapins. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, oui. Donc là, je vais avec vous ouvrir mon calendrier de l'Avent. Castro. Normalement, c'est le mien, celui-là. Je suis pas sûre. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 3. Je vais vous retourner avec vous. Alors, là, c'est le 1. Le 2... Je suis folle ou quoi? Ah, il est là. Donc le 3 est là, voilà. Donc Maxime l'avait déjà ouvert. Hop, c'est des petits carrés, mais en fait, c'est le... Voilà. Donc, je vous disais, pour les chocolats, en fait, c'est que des petits carrés avec des petits dessins. Mais en fait, moi qui voulais à la base Kinder ou quoi, mais en fait, je ne suis pas déçue parce que ces chocolats-là, comme je vous ai dit hier soir, c'est des chocolats qui me font rappeler... mon enfance, vous savez, c'est les calendriers que vous trouvez les moins chers. Même ce cas, c'est pas du chocolat le plus bon de la planète, mais en fait, il reste bon parce que moi, personnellement, ça me rappelle quand j'étais petite. Vous savez, c'est comme le goût des sucettes en chocolat. D'ailleurs, j'aurais bien voulu aller en chercher cette année, mais bon, après, c'est pas grave, je peux y aller toujours dans les jours à venir, hein, bien évidemment. Donc là, je vais bientôt aller me laver. Là, c'est le copain de ma soeur qui est allé, donc j'attends mon tour. Puis bah ma mère et son copain sont arrivés, donc voilà. Puis après tout à l'heure on fera le sapin normalement. Donc voilà, tout à l'heure. Les amis, sans faleur du sapin. Merci Charlie. Les amis, sans faleur du décorage de sapin. On remarque même pas que la guirlande derrière. Là, on va le faire avec ma soeur et tout, mais là en fait je vais commencer à, vous savez, à faire ça là, le truc chiant. Voilà, donc je vais vite fait filmer peut-être. De toute façon, vous verrez peut-être la décoration en même temps. Donc voilà, là c'est en fait, n'importe quoi. Je suis leur fils. Les amis, je crois que c'est la première fois que vous voyez ma soeur qui est en vidéo. C'est merveilleux. Justement, j'allais dire. Non, moi. Au secours, s'il vous plaît. Les amis, ce sapin est un gros fail. La guirlande, elle ne marche pas. La guirlande est mise. Merci, assistante Floriane. Maintenant, nous allons mettre les boules. Donc moi c'est pareil, hein, c'est doré, ah y'a stop débar, c'est bien, doré, argenté, on va mettre doré et rouge, et par contre pas du vert moi, ça c'est attache, j'en ai pris, ce cas il m'en manquait. Oh c'est bien ça, j'ai tu vois, il m'en manquait. Donc c'est ça que je vous avais dit hier, j'ai acheté ça à Jiffy, c'est trop bien ça, il y en a de toutes sortes de tailles hein, pour voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Le grand pour vous donner. Ouais, juste ta broche. N'importe quoi. Coucou tout le monde, on se retrouve quelques heures plus tard, non même pas, même une bonne trentaine de minutes après le sapin. Donc là vous avez vu, j'ai mis un bonnet, je l'ai acheté hier à Stokomani, j'ai acheté le même à ma soeur, il est trop beau. Et je suis pas très bonnet à la base mais je trouve que ça me va assez bien. Oui, oui. Donc là on est à la mairie d'Annecy et regardez. Je te l'ai fait, c'était proche.
que les amis, donc je sais que vous ne voyez pas trop, mais là on est dans le garage souterrain, parking pardon. Alors le marché, je dis pas que c'était nul, mais c'est pas terrible, il y a beaucoup mieux. Personnellement j'ai beaucoup aimé le marché d'Amiens, mais comme une truffe j'ai oublié, enfin j'avais effacé la vidéo comme je vous l'ai dit, mais ça va, c'était pas si mal. On a regardé la petite animation au début, comme vous avez vu, c'est ça que j'ai préféré le plus en fait dans le marché. Voilà, donc là bah, on va rentrer et puis bah voilà, donc je vous dis, je pense que je vais arrêter le vlog maintenant, je pense, je ne sais pas du tout, je vais voir si je filme tout à l'heure, puis bah, je vous dis peut-être à tout à l'heure. J'espère que vous allez bien, moi oui, donc là en fait je vais pas tarder à aller me coucher parce que là il est 2h04 du matin, donc on est déjà le 4 décembre, mais bon je termine ce vlog là. Je vais vite fait allumer le sapin pour vous voyez, parce qu'en fait en rentrant du marché j'ai rajouté des boules et tout parce qu'en fait il n'était pas assez rempli, il n'était pas très très beau pour moi. Donc à savoir que depuis l'année dernière, voire même l'année d'avant, je ne mets plus de guirlandes, vous savez les guirlandes colorées, pas les guirlandes lumineuses mais les guirlandes colorées, j'en mets plus parce que moi j'arrive pas à les mettre correctement, je les trouve pas belles. C'est pas qu'elles sont pas belles, c'est que j'arrive pas à les mettre de manière très jolie on va dire. Donc bah c'est, je trouve ça moche quand je le fais. Donc là en fait je vais fermer, vous savez vite fait vu, je vais fermer la porte pour pas qu'on m'entende. Et je vais brancher le sapin. C'est bizarre, il est branché. Je comprends pas. Ah voilà, oh, j'ai eu peur. Je vais le débrancher. Donc voilà ce qu'il donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà ce que le sapin donne avec les lumières et toutes les boules et tout. Voilà, alors personnellement je le trouve mieux en vrai. Ça rend pas autant bien à la caméra. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de boules alors qu'il y en a pas mal. Je vais me rapprocher, vous allez voir qu'il y en a plein. Il y a un petit peu de tout en fait. Cette année j'ai mis du doré comme l'année dernière, blanc, alors qu'à la base je voulais pas, mais j'avais très envie pour faire le rappel avec l'étoile. Rouge bien évidemment, argenté j'ai rajouté, et des éléments en bois comme ça que j'ai acheté à Stokomani. Ça je l'avais eu à Nose, c'était une sorte de guirlande en entière et moi j'avais tout séparé. Ça dessert que j'ai eu à Stokomani je crois. Ça je l'avais acheté à Nose aussi. Ça je l'ai acheté dans un magasin que je vous avais parlé. Vous avez vu dans le haut l'action, j'avais filmé les décos. Des petites chaussettes, ça fait longtemps. Ça, elle vient de Stokomani. Des boules, ça je les avais acheté. Oula, je les avais acheté, je vais y arriver. En promotion, en géant, il y a peut-être 2-3 ans, je sais plus. Et voilà, puis là j'ai commencé à mettre des cadeaux. Ça, et ça c'est pour ma mère, et ça c'est pour Max, pour l'instant. Donc voilà à peu près. Donc personnellement il est beaucoup mieux en vrai. De toute façon on ne voit jamais autant bien à la caméra qu'en vrai. Franchement c'est beaucoup mieux en vrai, moi je vous le dis. Parce que je suis très contente. Même ma soeur quand elle l'a revue mieux décorée, elle a fait ah, c'est beaucoup mieux. Il est plus fourni. Puis la lumière on pourrait pas croire mais ça rend tellement bien. Là je les ai laissés fixes parce qu'on a 8 modes de lumière. Moi j'aime bien fixe mais je pense que je le laisserai aussi comment dire, enfin bref, j'adore tout simplement, moi personnellement j'aime bien. Donc voilà, c'est ainsi que ce vlog se termine avec ce merveilleux sapin. Pour mes futures vidéos par rapport à Noël et même si je fais des vidéos etc, je filmerai là. Mais moi j'aime trop le sapin. Mais je pense que demain, à la lumière du jour, je le verrai un peu mieux. Sans lumière. Et si au cas où ça ne me plaît pas, j'ai le sac de boules juste là. Donc si je veux décorer, bah hop, je rajouterai des choses. Parce que j'ai l'impression qu'il manque encore des trucs. Et moi je vais rajouter, je pense, des boules. Je ne suis pas sûre. Ou sinon des cannes à sucre qu'on a un petit peu partout. Moi personnellement, je l'aime beaucoup mon sapin. Je trouve très beau, puis du fait que je l'ai fait avec ma soeur et un petit peu ma mère, je suis trop contente. Donc voilà, je suis très contente qu'elle ait voulu le faire avec moi et tout. En plus, c'est elle qui l'avait demandé, donc c'est pour ça qu'on l'a fait tardivement. Je sais pas si tardivement ça se dit, mais bon, bref, c'est pas grave, je vais le débrancher. Je vous ai dit, c'est elle qui a voulu le faire avec nous. Et moi, je suis contente qu'elle ait voulu parce que...
parce que voit pas. Parce que voilà, on se voit pas beaucoup et voilà. Bon bref, j'ai arrêté de parler. Par contre, quand on le regarde comme ça, on dirait qu'il y a que du blanc. Bon bref, j'espère que ce vlog numéro vlogmas, oui bien sûr, vlogmas du 3 décembre vous aura plu. En tout cas, j'ai beaucoup aimé celui-là. Pour l'instant, c'est l'un de mes préférés niveau montage et tout. Enfin, montage, j'ai rien fait d'exceptionnel, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vous fais de très très gros bisous et je verrai si je vlog demain parce que on fait rien d'intéressant. Je vais voir, je vous fais de très très gros bisous.